Congo, Ubani, Ukanekekela, Ishiboshua Yeto. Mala, Deongalanzikile. Yimi, Kungani, Ukushia, Umzenbenzi, Ebalulekile, Nzangle Nizake. Kuba Nzenbenzi, Ankolile, Ukufutoloa. Kufanele Wazi, Uize, Wayen Gumuntu, Siami. La pure. Tu vois la façon dont ils te traitent? C'est ta propre tribu, puis ils te respectent même pas. Ce n'est pas ma tribu. C'est à cause de Lugo, le chef du village, que je suis coincée ici. Quoi? Mon père était marin, et il a fait naufrage il y a quelques années. Je ne l'ai plus revu depuis. Maintenant, je suis coincée avec cette bande de misogynes. Rien ne t'oblige à te plier à leurs caprices. Tu es jeune et libre. Toi, que fais-tu ici? Seul un fou aurait l'audace de traverser cette forêt. J'ai fait tout ce chemin pour mes amis. Depuis qu'Herobrine les a enlevés, je me suis lancé à sa poursuite. Puis j'ai pensé à plusieurs reprises que mon heure était venue. Mais... est-ce que tes amis sont prisonniers de la forêt? Non. Ils sont prisonniers du manoir des Robrine. S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Je dois les sauver. T'es ma seule chance de pouvoir m'en sortir. S'il arrive quoi que ce soit à mes amis, je me le pardonnerai jamais. Ah, si je le libère, il faut absolument que je m'échappe avec lui. Mon beau va exploser de colère s'il apprend que j'ai trahi sa confiance. Tout ça m'est égal. C'est pas parce que je suis une femme que je dois être aux commandes d'un homme. Je vais te donner le bénéfice du doute. De toute façon, il me traite comme une enfant et je déteste ça. Mais merci, tu m'aides d'une grande aide. Ouais, les Wapiwi m'ont lancé une malédiction, puis là, pour une raison que j'ignore, je peux plus sortir de la forêt. Ils m'ont enlevé alors que j'étais juste devant le manoir. Je voyais mon ami, puis on m'a endormi, je me suis ramassé ici. Je dois trouver un moyen de le contacter. Je peux peut-être contacter mon ami en quelque part. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Allez, suis-moi. Devadip avait été sauvé par une femme nommée Mala. Elle s'opposait au machisme contraignant des Wapiwi. Elle portait en elle-même une lueur d'espoir qui combattait le mal et la corruption qui régnait sur la forêt. Bakufi. Ja. Mala. Okubuta. Amabuto. Siamanje. J'imagine que c'est une série d'épreuves. Avec Herobrine, on sait pas à quoi s'attendre. Je vais entrer. C'est bon. J'ai déjà vu ces crânes-là quelque part, moi. Ça pourrait être une illusion. Fais attention. Non, j'ai vraiment déjà vu ces crânes-là quelque part. Je vais y aller en premier, là, Mathieu. Tu feras attention, il y a un précipice ici. Ok, là, Mathieu, tu peux descendre. Nama!
Qu'est-ce qu'il fait? Attends. Cet endroit-là me dit quelque chose. Mais c'est la prison, ce que j'étais enfermé dans le passé. Ça doit être Herobrine qui joue avec ma tête encore. Ah non, je sens qu'il y a de quoi de gros qui s'en vient là. Hein? Herobrine! Finalement, tu te montres le bout du nez. Espèce d'insolent. Réjouis-toi pas trop vite. Tu te rends compte que je n'ai fait que m'amuser avec toi, j'espère? Pfff. Tu fais pitié. T'es dans un sale état. On va voir si tu peux survivre à la prochaine épreuve. Je vais te faire regretter ta petite aventure. Vous n'auriez jamais dû tomber face à face avec le grand Herobrine. Je suis beaucoup plus puissant que tu le penses. On va voir. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais ici? Ça me dit rien du tout. Natsuru! Dip-dip! Vite, Herobrine s'en vient, là! Ah ben, j'ai de la TNT sur moi, je suis allé dans une mine précédemment. Parfait. Tiens-toi loin du mur, je vais la placer. Ok. Mais c'est impossible. You, Herobrine. Puis comment ça, Deva des pieds là, puis... Ah, pourquoi j'ai ce mal de tête? Quoi qu'il en soit, je peux pas y faire confiance. Je sais pas si c'est le vrai Devadip ou non. Ça doit être une épreuve, c'est impossible. C'est beaucoup trop réaliste. Pourtant, je me rappelle pas d'être venu ici. C'est quoi cet endroit? Natsuru, viens ici, j'ai trouvé un chemin. Ok, oui, j'arrive. Herobrine renvoyait Natsuru dans le passé, l'obligeant ainsi à affronter de nouveau les épreuves du temple souterrain. Si on la manipulait correctement, la puissante énergie qui circulait à travers le manoir était en mesure de créer des anomalies temporelles. Donc, je vais aller ici. Ok. Ayant la possibilité de manipuler l'espace-temps, Herobrine pouvait noyer ses victimes dans un éternel tourment. Où est-ce qu'il est rendu? Oh! Tu t'en sauveras pas de même, toi. Finalement terminé. J'espère que c'est la fin de l'épreuve. Attends, c'est mon épée, ça? Prends celle de droite, Natsuru. Je vais prendre celle de gauche. Ok. Je suis finalement revenu dans le manoir des Herobrine. Na Mathieu? Na Mathieu? Une nouvelle épreuve. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Attends, ça me dit quelque chose. Je pense que j'ai vu une machine similaire comme ça dans le laboratoire d'Ambroise. Si c'est Ambroise qui l'a construit,
Je pense que ça va pouvoir m'aider. J'ai pas vraiment le choix. Bon, alors comment ça fonctionne là? Je pense que si j'appuie ici... Devadip essayait de suivre Mala à travers la jungle dense et humide. Elle se déplaçait avec une grande agilité. On aurait dit qu'elle se sauvait de quelque chose. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? Les Wapiwi avaient construit un hôtel en l'honneur des Boomerang. Ce dernier servait lors des rituels et permettait ainsi à la tribu de communiquer avec leurs supérieurs. Ton ami est prisonnier du manoir, non? On peut communiquer avec lui à partir de cet endroit. Oui, avec un peu de chance, il devrait peut-être être en mesure de nous contacter. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Natsuru? Il a la tablette des Robrin? Viens, Mala, vite! Un peu déboussolés, nos deux amis apprirent qu'il était possible de combiner les deux épées légendaires. Mala avait déjà entendu parler d'une vieille légende au sujet du pouvoir de la tablette. Cette dernière serait en mesure de forger une arme capable de vaincre les créatures de l'ombre. Devadip lut ce qu'il y avait sur la tablette et dénicha une courte formule et quelques instructions. Natsuru avait tout le nécessaire en sa possession. Merci pour les informations, Devadip. Laisse tout ça entre mes mains, je vais essayer de fusionner les épées. Namathieu est dans le château avec moi. En tout cas, je l'espère. On va essayer de faire de quoi avec ça. Je vais m'en occuper. À bientôt, mon frère. Vite, faut que je me dépêche. Hé! Namathieu! Hé, tu tombes bien! J'ai besoin de ton aide! Moi et Develip, on a déchiffré la tablette. En gros, va falloir fusionner les deux épées ensemble. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je peux pas te laisser faire ça.